Construire en quelques mois un stade en synthétique n'est pas toujours chose facile. Il faut entre autres de bonnes conditions climatiques et au vu des températures de juillet dernier, on pouvait avoir quelques doutes. Pourtant, lorsque nous nous sommes rendus sur le terrain de la cité scolaire la semaine dernière, les travaux avaient bel et bien avancé. L'entreprise Parquet Sport effectuait sa dernière tâche, le caoutchoutage du terrain. Cette phase intervient après la pose du tapis synthétique et celle d'une couche de sable de 2 à 3 cm destinée à stabiliser les fibres. Ces granulés de caoutchouc issus du recyclage de pneus offrent un confort de jeu fort apprécié, notamment en cas de chute, et permettent un drainage très rapide du terrain. On peut jouer dans d'excellentes conditions, même après une forte averse. Prochaine étape, la pose du macadam et le revêtement en tartan des pistes d'athlétisme.